m'appelle Cyril Zen, je suis ancien chef étoilé. J'ai intégré l'équipe d'enseignants, donc en professeur de cuisine depuis cette année. J'enseigne sur les mises à niveau. Donc pour moi, cette formation est très intéressante puisqu'on a des étudiants qui sortent d'enseignement général et qui veulent s'orienter sur l'hôtellerie, sur la cuisine, sur le management, sur le service. Donc c'est vrai que c'est des étudiants qui sont très motivés et pour moi c'est que du bonheur de partager ma passion, mon savoir-faire, parce qu'avant tout la cuisine c'est du partage et de la transmission. Donc voilà, on travaille beaucoup autour de ce partage sur des travaux appliqués, sur des services en conditions réelles et on les prépare aussi à partir en stage dans les entreprises à la fin de l'année scolaire. J'ai fait un bac littéraire. Donc à l'histoire et ensuite je me suis orientée dans le commerce. Donc j'ai fait une année de DUT technique de commercialisation. Donc ça m'a énormément plu mais la deuxième année était beaucoup trop orientée vers le marketing et c'est pas ce qui m'intéressait. Mes parents ont toujours vécu et ont eu même un hôtel et c'est ça qui m'a donné envie de venir en hôtellerie et du coup la MAD. Alors moi de base je viens d'un bac S, rien à voir avec déjà la cuisine. Après, j'ai fait deux années de fac en langue et puis j'ai arrêté la fac, j'ai lâché et puis je suis venu du coup ici au Sacré-Cœur, à Saint-Chély. Eh bien, déjà m'apporter plus de connaissances, même si j'ai déjà pas mal de connaissances en hôtellerie grâce à mes parents et à mes emplois pendant les étés. Surtout au niveau de la cuisine. Je pense que la cuisine, j'en ai très peu fait, mais vraiment, c'est très très intéressant. On apprend tellement de choses. Même là, moi qui ne veux pas du tout m'orienter dans la cuisine, on apprend tellement de choses, même à refaire à la maison, et aussi se spécialiser dans les autres domaines, en hébergement et en service. Ouais, c'est super, on découvre beaucoup de choses, et dans une bonne ambiance, en plus dans un cadre calme. Avec des profs bienveillants en plus, des profs passionnés, c'est important, bien important. Eh bien, l'année prochaine, je souhaiterais faire mon BTS en alternance, donc travailler et à côté aussi faire mes études pour ensuite, je souhaiterais devenir directrice d'un établissement ou travailler en tous les cas pour des établissements 5 étoiles, même si c'est possible 5 étoiles palace. Ensuite, j'aimerais intégrer Ferrandi, du coup à Paris. Et puis ensuite, après, ben, la cuisine, hein, voir les opportunités que je peux avoir. Et après, ce sera un peu du feeling, voyager et découvrir plus, parce que finalement, ça me permet de m'arrêter à la cuisine française. Eh bien, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai des personnes autour de moi qui sont issues de cette formation. Donc, c'est vrai que je me suis dit. J'avais envie d'essayer, c'est un des établissements quand même, il est très bien classé en France. Et il y a une bonne ambiance, c'est quand même c'est beaucoup plus familial parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de Chamalières, mais c'est beaucoup plus familial, c'est plus petit.